Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec piano-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau de Lily Wood and the Prick, Prayer in C. Alors, on va avoir la petite mélodie à faire à la main droite et ensuite trois accompagnements différents qu'on peut faire à la main gauche selon si on veut faire la version acoustique qui font tout seul ou plus proche de la version remix. Voilà, et bien c'est parti, on commence par la mélodie. La mélodie va être la suivante, donc pas de dièse pour ce morceau, la partition s'affiche, on va avoir ceci. La, la, si, do, la. Ensuite, on va avoir mi, mi, fa, mi, mi. Ensuite, ré, ré, mi, fa, ré, fa, fa, sol, fa, fa. Voilà. Donc ça, c'est la mélodie. Par rapport au rythme, si je compte les croches, ça va donner ceci. 1, 2, 3. 1, 2. Donc là, j'ai compté 3 pour la première note, 2 pour la dernière. Les autres étant des croches, on ne les compte pas. Et on va avoir ce rythme-là pour toutes les autres mesures. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Si je joue tout à la suite, 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, on a vu l'accompagnement, la mélodie. Maintenant, on va voir l'accompagnement. L'accompagnement va être basé sur 4 accords. Donc, on a vu 4 mesures pour la mélodie. Bah, chaque mesure, un accord. Le premier, ça va être un La mineur. La Do Mi. Le deuxième, ça va être un Do majeur, Do Mi Sol. Ensuite, on va avoir Sol majeur, Sol Si Ré et Ré mineur, Ré Fa La. Voilà, on a nos accords. Maintenant, on va voir quoi? Trois manières de jouer. C'est parti. La première manière va être la manière la plus douce possible. On va plaquer à la main gauche l'accord. On ne va pas plaquer l'accord entier, ça va faire un peu lourd. On va plutôt plaquer la fondamentale et la quinte et la fondamentale à l'octave. Ce qui va faire pour le La mineur, La et là, qu'on va faire en même temps que la petite mélodie, la première mesure. Ensuite, on va faire Do Sol Do. Ensuite, on va faire Sol Si, pardon, Sol Ré Sol. Et on va finir par un Ré La Ré. Si j'enchaîne. Etc, etc. Maintenant, deuxième manière. On va partir sur les mêmes notes à la main gauche, sauf qu'on va les jouer, on va jouer 8 notes, donc on va jouer les 8 croches de la mesure. On va jouer comme ceci. On va commencer par faire, donc, si je prends mon premier accord, donc le La mineur, où je joue La, Mi, La, et bien on va commencer par le La grave, ensuite Mi, La, et on va alterner des Mi, La, Mi, La. Donc, on va faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Avec la main droite, ça va faire... Voilà, donc on a bien nos trois notes au niveau du premier La qui est une noire pointée, on a bien trois notes. 1, 2, 3, et après... Et à la fin, on a bien un 2. Donc ça fait... Si je fais le Do, le Sol, et le Ré... J'enchaîne le tout. Etc, etc. On peut le faire. Maintenant, la troisième manière. La main gauche, on va plaquer que l'octave. La, la, do, do, sol, sol, ré, ré. Voilà. Après, il va y avoir un rythme. C'est-à-dire que si je compte les croches que je compte à la main droite, il va falloir faire... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour la rythmique à la main gauche. Si je prends ma main droite en même temps, on va faire... Donc on va avoir une première note ensemble,
la main gauche toute seule, ensemble. Et on finit ensemble. Pareil pour les trois phrases. Si j'enchaîne. Voilà, donc en gros, on a un rythme qui est plus dynamique. Voilà, et ben, c'est ce que je voulais voir pour cette vidéo, une petite conclusion. La difficulté de ce morceau va être qu'on a le thème qui est redondant durant tout le morceau, donc c'est surtout la voix qui va permettre de créer des petites variations. On a trois variations ici, si vous voulez, des parties plus calmes. On peut tout à fait, bien sûr, plaquer les accords à la main gauche si on a envie. Ou si on a envie de le chanter, on peut tout à fait le faire en plaquant les accords main droite, accord, basse, main gauche. Voilà, bien sûr, la démo est accessible avec le petit bouton qui est présent durant tout le morceau. Et ben voilà, c'est comme d'hab, c'est à vous de travailler bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et à bientôt avec piano-facile.fr. Travaillez bien, ciao!